She said, hey, my day job, I don't feel it. I need race car, top down to match my ceiling. I don't have none. Salut les amis, on se retrouve pour une vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire les vidanges et les remises en route de mes deux motos, donc celle de ma femme et la mienne. Excusez-moi par avance s'il y a un peu de bruit, c'est normal, les enfants sont en train de jouer dehors, donc voilà, je pense que vous comprendrez. Alors je vous explique avant de commencer, c'est des motos qui n'ont pas roulé depuis 2 ans, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Donc voilà, donc on va faire la vidange, on va regonfler les pneus, et puis sur cette moto qui adhère à moi, il y aura un réglage carbu à faire. Donc je vous montrerai les symptômes. Et si j'arrive pas à faire le réglage carbu parce que je m'y connais pas trop, ça sera sympa de m'aider dans les commentaires quand vous aurez vu comment réagit la moto. Et puis après on passera à la mienne qui est la même cylindrée, c'est 225. Mais la mienne est en grande roue en 14-17 et celle-là est en 10 et 12 il me semble. Voilà, ou 12 et 12. Je sais plus, je crois que c'est 12 et 12, ouais. Donc bah écoutez les amis, je vais retourner la caméra et puis on est parti pour commencer le travail. A tout de suite les amis. Donc voilà les amis, donc je vous montre la moto. Voilà, donc c'est celle-là, c'est une Bastos 125. Donc je vais vous mettre au sol, hop, voilà. Et puis je ferai peut-être des petites coupures et puis écoutez, ma foi, on est parti pour la vidange. Donc, on est parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà prendre ce petit pot-là. Voilà, c'est avec ça que je récupère l'huile usagée. Donc, on va se mettre bien. Hop. Alors, sur cette moto, le problème de cette moto, c'est que la béquille est très mal faite. J'ai pas encore vu pour la changer. En même temps, on s'en sert pas très souvent. Et du coup, la béquille, en fait, elle ne tient pas la moto. La moto reste toute droite. Donc il faudra que je voie ça quand je pourrai. Alors, on va chercher ce qu'on a besoin. Tac, alors attendez les amis, je ferai sûrement des coupures. D'ailleurs, je vais en faire une tout de suite et je vous reprends dès que je suis prêt. Alors les amis, je vous reprends. Donc voilà, je suis prêt. Donc je me suis permis de dévisser un petit peu la vis. Je vous dis, ça fait un peu de temps qu'elle a pas bougé. Donc un peu compliqué. Hop, j'espère, alors, je sais pas, il y en a peut-être qui s'y connaissent mieux que moi là-dessus, sur les motos, j'y connais rien du tout au niveau moto, j'espère juste que l'huile va pas être caoutchouteuse, enfin logiquement non, je ne pense pas, j'ai pas voulu, alors, normalement on fait ça à chaud pour vidanger, je suis d'accord, sauf que j'ai pas voulu prendre le risque, sachant qu'elle est assez vieille, je vous dis, ça fait entre 2 et 3 ans qu'elle a pas tourné, donc, hop, alors attendez, j'essaie de faire ça proprement. Voilà. Et merde. Alors, hop. Voilà. Par contre, j'avais pas pris de chiffon. Je dois en avoir un dans le coin normalement. Ouais, je vais utiliser pour l'essence. Ah, attendez, je vais chercher un petit chiffon pendant que ça coule. Et on regardera combien il y a. Toujours avoir des petits chiffons avec vous quand vous faites de la mécanique, que ce soit voiture ou auto. Et ça, le prix de sabot, en voulant dévisser, je me suis tranché le doigt. C'est pas grave. On va laisser ça s'écouler tranquillement. Bon, lui, il n'a pas l'air critique, ça va. On va bien nettoyer ça. Par contre, le joint est resté collé. Bah, je crois qu'il est tombé dedans, d'ailleurs. Je crois que c'est ça que j'ai entendu tomber. Donc voilà, les amis. Bah, écoutez, je vais faire une petite pause le temps que ça coule. Et je vous reprends après. Donc les amis, j'ai refait un petit passage là parce qu'en fait c'est toujours en train de couler comme vous pouvez le voir. Je sais pas si ça se voit beaucoup à la caméra. Et en fait je voulais vous montrer quelque chose, pareil, donnez-moi vos avis. Je vous dis, j'y connais rien, donc je le fais et en même temps je regarderai les commentaires quand j'aurai fini. Et s'il y a des choses qui vont pas, on reverra. Par contre j'ai vu qu'il y avait ça sur le bouchon. Alors, je sais pas si la mise au point va se faire, voilà. Je sais pas si vous voyez, il y a un peu de dépôt là sur le bouchon. Donc j'espère que c'est pas trop grave. J'espère qu'au niveau de du moteur, ça va pas avoir pris cher. On verra bien. Donc je vous dis, on va nettoyer tout ça au propre de toute manière. On verra.
Je suis en train de regarder. Hop. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais c'est pas fait. Il n'y a pas encore beaucoup de vidéos, mais après, plus il y aura d'abonnés, plus on essaiera de faire des vidéos. Et aussi, pourquoi je fais les motos spécialement? Pas parce que je compte en refaire énormément. Alors on en fera peut-être du coup un petit peu. Voilà, j'ai réussi à le ravoir, donc je vous montre. Il est comme ça, du coup, c'est déjà mieux. Par contre, la mise au point se fait pas, je suis désolé, voilà. Donc c'est déjà plus propre. Alors abonnez-vous parce qu'en fait je fais les motos pour pouvoir faire de la place après et pouvoir rentrer la voiture car il va y avoir des travaux à faire sur la voiture. Donc on en reparle dans une prochaine vidéo. Donc voilà les amis, pourquoi je fais les motos aujourd'hui. Après je ferai sûrement un petit tour avec. Et voilà. Alors on va voir ce que ça donne. On va mettre un peu plus droite. Voilà, histoire de bien laisser couler. C'est que j'ai les mains toutes grasses. Voilà. Alors, il n'y avait pas grand-chose là-dedans. Je ne sais pas ce qui reste en huile, mais voilà, ça coule encore. Ouvrir là aussi pour faire un appel d'air. J'ai oublié d'ouvrir, j'aurais dû. Tout est collé. Bon, ça m'a l'air pas mal. On va la laisser encore un peu. Et ouais, je crois que le bouchon est tombé dedans, donc on va voir ça après. Je vais attendre qu'elle ait bien fini de goûter. J'essaie de retrouver le bouchon, les amis. Et puis on voit la suite ensemble. Bon, les amis, donc voilà. Donc j'ai versé l'huile là-dedans. Je l'ai reversé dans une bouteille. Hein, ne jetez pas ça n'importe où. Hein, un petit peu de bon sens. Donc moi, je mets ça en bouteille, que ce soit pour les voitures ou les motos. Et après, je mets ça à la déchetterie, les amis. Hein, soyez un petit peu. Enfin, voilà. Donc après j'avais acheté ça, c'est bien parce que ça passe en dessous de la moto, c'est gradué, ça me permet de savoir si j'ai des pertes d'huile quand je lui donge, donc s'il y a toujours la même quantité. Et quand je remets de l'huile, vous voyez ici c'est gradué, donc je vais pouvoir remettre 900 puisque là-dedans il y a 0,9 litres. Donc on va se faire ça, on va remettre ça et puis... Et puis on va remettre l'huile. Alors attendez, je vais vous descendre un petit peu que vous voyez quand même. Hop, c'est parti les amis. Oh, je suis désolé, mais bon, je suis un petit peu moins à l'aise à la caméra que quand je le fais hors caméra. Donc ici, de toute manière, on peut tout mettre. Donc on y va. Hop. Ça, c'est ce qui me restait. Voilà. Au moins ça libère. Voilà, allez hop, ça y est. Et maintenant on va compléter avec l'autre. Donc je vais me mettre sur du plat pour être sûr d'avoir la bonne quantité. Hop. Là, on va regarder ce qu'il y a. Alors c'est pas forcément tout à fait plat, mais bon. On est à 500. Ouais, c'est ce qui restait dans la bouteille. Donc voilà, on va monter à 900. Il faut déboucher comme ça. Okay. J'avais pas vu que c'était fait comme ça. Ah, c'est bien dans l'ancien système, il ne l'avait pas fait ça. Donc on va refermer le bouchon, les amis. Ça, c'est pas mal. On va l'utiliser comme ça, c'est mieux. C'est sympa. Et on va monter à 900. Allez, c'est parti. Par contre, elle est beaucoup plus blanche. Ah,
Je trouve bizarre quand même qu'elle n'ait pas la même couleur, pourtant. Ouais. Bon. Allez, hop. On y va. Et là, on est à... Voilà, on est à 900 les amis, comme ça il n'y a pas de souci. Par contre, effectivement, elle n'a pas la même couleur. Alors, est-ce que c'est parce que l'autre avait déjà un peu de l'âge qu'elle est restée au garage? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est la bonne huile, mais elle est beaucoup moins blanche. Bon, tant pis. Donc, pour refermer, c'est pas très pratique. Ok. Et maintenant, on va aller remettre ça là-dedans. Je vais reprendre mon petit entonnoir. Je vais vous faire voir. Hop. Voilà. On va reprendre ça. Encore une fois, désolé pour le bruit. Il y a du monde dehors. Je suis pas tout seul. Alors, hop. Ah oui, alors aussi, petite précision, les amis, j'avais également purgé il y a déjà un bout de temps, parce que ça, par contre, j'avais vraiment peur avec ça, et comme je savais que je ne m'en servais pas, j'avais purgé le réservoir, donc j'ai enlevé toute l'essence qu'il y a dedans, ainsi que nettoyer la cuve du carbu. Comme ça, on va dire que c'est déjà moins risqué. Maintenant, on verra bien ce que ça donne. Hein, j'espère que ça va pas avoir tout flingué. Hop. On y va. On va mettre ça là. Chiant, ça passe pas trop. Et on va inverser. On verse ça gentiment, ça déborde pas. Peut-être une petite coupure. Voilà, les amis, on va laisser un petit peu. Hop. Donc on va laisser ça de côté pour la prochaine. On vérifie bien que ça coule pas. Ok. On va faire le niveau. Je vais mettre ça là. Hop, dans ma bouteille. Ça, on va le mettre de côté. Et on va regarder ce que ça donne au niveau de l'huile. Alors, il y en a qui font le niveau bouchon ouvert, je crois. Il y en a d'autres qui le font bouchon fermé. Moi, je le fais bouchon fermé, perso. On n'est pas tout à fait droit, mais bon, on se met en droit. On voit ce que ça donne. Après, de toute manière, le constructeur dans le bouquin indique 900. Donc, vous voyez, c'est bien ce que j'ai mis. Donc, limite, j'ai même pas besoin de faire le niveau. On est pas mal. Après, bon, il y a encore de la marge. On est bien, on est à la moitié. Moi, je trouve que c'est correct. Donc, c'est bon. Voilà. Donc, pour ce qui est de la vidange de la moto, c'est fait. Ensuite, il va falloir qu'on regonfle les pneus. Mais ça, je vais le faire hors caméra parce que ça fera trop de bruit. Donc, j'ai mon petit compresseur. Je vais regonfler les pneus. Et après, on met l'essence. Et puis, on essaie de faire le démarrage ensemble, les amis. À tout de suite. Alors les amis, je vous reprends, je viens de finir de gonfler les pneus, d'ailleurs je décharge le compresseur. Petite question, donc tant qu'on y est, donc vous voyez, je crois que c'est du 12 pouces et 12 pouces à l'avant et à l'arrière, donc là et ici. Et comme vous pouvez le voir, les pneus là, je les ai gonflés, ils sont archi durs,
Donc je ne sais pas comment il faut les gonfler. Si vous avez la pression exacte pour du 12 pouces, ils sont archi durs. Et je les ai gonflés à deux, à une barre 2 devant et une barre 4 derrière. Mais je crois que je suis trop gonflé. Donc excusez-moi, je vous ai dit au niveau des gonflages roues, au niveau moteur, au niveau moto, j'y connais rien. Et j'ai pas trouvé la pression des pneus qu'il fallait mettre là-dessus. J'ai un doute parce que j'ai un doute entre 1,8, mais honnêtement, je peux pas remonter à 1,8. Les pneus, ils vont éclater, ils sont archi durs. Du coup, j'ai laissé quand même qu'on puisse appuyer un peu dessus. Je vous dis, je crois que je suis à 1,2 devant pour pas que ça rebondisse, à 1,4 derrière, je crois. Mais je crois que je fais une connerie, je crois que c'est 0,8. Redites-moi, les amis, dans les commentaires, comme ça je dégonflerai un peu s'il faut. Parce que là, honnêtement, je crois que je suis archi gonflé. Donc, bah écoutez, je vais mettre l'essence. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc allez hop, c'est parti. J'avais préparé l'essence. Hop. Donc, on va ouvrir ça. Ah, je suis vraiment désolé. Hop là. Si ça va pas, je vous dis, je fais des coupures, tout le monde. Hop là. Alors ça, on va le mettre là. Et on va mettre de l'essence là-dedans. Je dois avoir un entonnoir qui doit traîner, pareil. Parce qu'à la base, j'ai un truc, mais bon, ça va pisser. Je sais pas trop ce que je vais prendre pour ça. J'ai pas trop envie de le faire à la pompe, ça va prendre 15 ans. Attendez les amis, je dévisse mon truc là. Le problème c'est que la jerrycan là en fait elle pisse. Et ça je le sais d'avance. Donc je pense que je vais le faire directement au goulot. Et encore je suis même pas sûr. Oh. Je vais prendre un jerrycan. Je vais prendre un. Attendez, je prends un entonnoir les amis. Donc voilà les amis, j'ai trouvé un entonnoir. Donc on va mettre ça. On va aller tout seul. Et on va venir mettre ça là-dedans. Voilà. Hop là, on va éviter d'en mettre partout. Ah, ça coule, vous voyez, c'est dégueulasse, ça coule partout. Je vais en avoir sur la bougie tout à l'heure, je vais faire prendre feu tout. Attendez, les amis, on va essuyer tout ça. Ah, ouais, là, ça craint. Ça va pas couler là. Vous voyez pourquoi j'aime pas. Donc, écoutez, je vais faire ça quand même à la. Je vais lâcher l'affaire. Je vais faire ça à la pompe, les amis. Parce que là, ça va pas le faire. Allez, les amis, on va essayer comme ça. Ça coule de partout, c'est vraiment chiant. Ils vous vendent des trucs, ça va pas, ça fuit partout. Pourtant, il est tout neuf le machin là. Bref, j'espère que je vais pas en avoir foutu partout. Alors, je suis pas en train de te foutre à côté, je vois pas s'il y en a qui coulent le long du bidon. Ça a pas l'air. Je suis en train d'en perdre pas mal quand même. Même pas le fond. Peut-être encore un peu. Je suis un peu déçu du principe là. Hop. Mon chiffon il est imbibé. Donc hop. Allez, on y retourne. Alors désolé encore les amis, les enfants, je vous l'ai dit. C'est pas grave, on est content de les entendre jouer, hein, il faut qu'ils profitent, les pauvres. Ils n'ont déjà pas un avenir très réjouissant.
On va laisser comme ça, je pense que c'est suffisant. On va déjà voir comme ça, les amis. Donc, je vais refermer ça. On voit pas le fond, mais... On va laisser comme ça, je pense qu'il y a assez. À chaque fois, je mets trop. Donc, je vais déblayer un petit peu et puis on va voir ça après. Je vous reprends. Bon, les amis, je vous reprends. Donc, je vais essayer de démarrer la moto. Je vais vous mettre là, comme ça. Je vais essayer de vous mettre bien pour que vous voyez. Hop, voilà, je vais vous mettre là. Je vais essayer de démarrer la moto et vous allez voir ce qu'elle fait. Alors, j'ai retouché un peu le carburant entre temps. Donc, j'espère que ça va le faire quand même. Déjà, je vais ouvrir mon arrivée d'essence. Déjà pas mal, et je fais cette vidéo c'est aussi pour que vous puissiez m'aider, parce que depuis qu'on a cette moto, en fait, on a toujours galéré et en fait on en a jamais vraiment fait, puisque le starter, je sais pas si je devrais le mettre ou pas. Je vais essayer de la démarrer sur le starter. On va déjà vérifier qu'il y a de la compression, parce que vu que ça prend du temps qu'elle a pas. Donc voilà les amis, je vais pas insister trop. Je ne sais pas du tout comment faire. Vous avez vu, elle gueule un truc de malade. D'ailleurs, elle pue aussi. Du coup, je ne sais pas quoi faire. Alors. Je regarde avec vous. Ici, c'est la vis de purge. Le starter n'était pas mis. En dessous, on a la vis de richesse, il me semble. Et là, la vis de ralenti. On va essayer de descendre le ralenti. On va essayer de descendre le ralenti un peu. On va réessayer comme ça. Risque pas d'y arriver. Mes amis, bon les amis, donc écoutez, j'ai fini avec l'autre moto. Donc bah écoutez, finalement j'ai juste réglé un peu le ralenti, ça m'a l'air pas trop mal.
Bon, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Je regarderai quand même qu'elle soit pas trop pauvre. La mienne, elle est réglée là-dessus. Il n'y a pas de souci. J'ai tourné plus longtemps avec. Celle de ma femme, elle est encore en rodage. Donc celle-là, pareil, on va faire vidange, gonflage des pneus et remise en route. Ça fait un petit bout de temps aussi qu'elle n'a pas tourné. Donc allez, hop, on est parti. Alors, on va commencer par la vidange. Juste que je ne me trompe pas de sens, ça serait mieux. Je vais débloquer un peu tout ça. Voilà. Hop. On va le faire à la clé parce que c'était un peu long tout à l'heure. J'espère que ça va pas trop couler de travers, sinon je vais t'embêter. Hop. Le bouchon, si je peux récupérer le filtre directement, ça m'arrange. Hop là, voilà. On va laisser couler ça. Vous voyez, elle est un peu plus noire que l'autre. Notre petit chiffon pour s'essuyer les mains. On laisse ça couler. Je vais essayer de la mettre droite, histoire de... Alors, attendez. Je vais mettre un petit peu de... Ah, je sais, les amis, ma femme me le dit souvent. Elle me dit souvent, c'est chiant, chérie, tu finis pas tes phrases. Donc, j'en suis désolé, les amis. Donc, je me suis mis un petit peu... De nettoyant frein, pour ceux qui connaissent, ça dégraisse bien, c'est pas mal. Par contre, faites attention à tous ces produits qui sont inflammables. Après, moi, les motos, vous savez, j'ai acheté ça, c'était juste... À la base, je ne sais pas faire de moto, ma femme non plus, on a acheté ça, c'est juste pour un petit peu de loisir. Alors, attendez, on va voir ce que ça donne, là. Là, par contre, sur mon bouchon, vous voyez, le mien il est propre. Il n'y a pas de dépôt. Il était plus propre que le sien. Je sais pas où j'ai mis mon chiffon. Et l'huile, vous avez pu voir, elle s'est vidée plus rapidement que sur la moto de ma femme. Mais moi, je l'avais déjà fait retourner un petit peu il n'y a pas très longtemps. Que la sienne, elle était vraiment. Alors oui, je sais, vous allez me dire, ouais, t'as pas fait le graissage de la chaîne et tout. Pour l'instant, mon but, vous voyez, je l'ai déjà arrêté. J'ai pas tourné longtemps avec. J'ai fait un aller-retour dans la rue. C'était encore, je dis la rue, mais c'est pas la rue, hein, c'est un parking. C'est un parking, c'est pas une voie de circulation propre au terme. Mais bref. Hop, je vais la reposer. Voilà. Le truc aujourd'hui, c'est vraiment de les remettre en route pour pouvoir avoir la place et faire mes travaux sur la voiture. Parce que ça fait un sacré bout de temps que je dis, ouais, chérie, j'aimerais bien qu'on mette les motos en route. Donc comment ça sera fait? Bon, elle voulait le faire avec moi, malheureusement, le temps en cette heure-ci fait qu'on n'a pas trop le temps d'attendre qu'elle puisse le faire avec moi. Donc on le fait maintenant. Et après, on sera tranquille avec ça. Hop. Je vais remettre un petit coup sous le sabot aussi à l'intérieur puisqu'il est dégueulasse. Je vais nettoyer tout ça en nettoyant frein après. Hop. Alors
Alors, il me semble qu'il y a 900 aussi dans celle-là. De toute manière, le moteur est pas plus petit. Donc, il n'y a pas de raison. Par contre, tous les collets, je vous dis, c'est vraiment un truc de fou. Ça va leur faire du bien. Alors, est-ce que ça recoule un peu si je fais ça? Normalement, les bidets, de toute manière, pas de soucis là-dessus. Hop. Ça va. On va remplir ça. Alors, je fais une petite pause, les amis. Je vidange l'huile dans la bouteille. Je regarde combien il y avait et on s'en reprend après. Alors, les amis, c'est parti. On va verser l'huile. Donc, c'est la même contenance que l'autre. C'est du 900. Donc, on va déjà terminer le bidon qu'on a commencé. Hop. Allez, c'est parti. On bazarde tout. Puisque de toute manière, c'est pareil. Il y aura besoin de tout. Ça, c'est la vieille huile. Il va falloir que je la referme. Je sais pas où j'ai mis le bouchon. Hop. Comme ça libère tout ça. Ça pourrait le bazarder, ça va perdre la place aussi. Hop, c'est bon. Et ensuite, on va terminer avec la dernière bouteille. Compléter. Je vais fermer ça et je vais le foutre de côté pour l'emmener à la déchetterie. Ça c'est bon aussi. Ici maintenant, on va compléter ce qui manque. On est à combien? Alors attendez que je me trompe pas en litres. Ça c'est les kilos. Après, il n'y a pas grand chose en différence. Alors là, on est ouais pas trop loin. Hop. On est du 900, c'est parti. Donc là, on arrive à 800. Je sais même pas si je suis droit. Je pense que si. Voilà, on est à 900. Je vais aller me mettre sur du plat pour vérifier qu'on est bien à 900. Et je verse ça. Alors, attendez, je referme bien ma bouteille. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra. Attendez, les amis. Voilà. Ça, je vais le ranger. Alors, je vais vérifier que je suis à 900. Il faut. Alors, les amis, je suis un tout petit peu au-dessus de 900, donc je vais m'arrêter avant, tant pis. Ça ne coule pas, je vérifie bien. Je vais m'arrêter là, un petit peu encore. Voilà. Je vais m'arrêter là, je vais vérifier où que ça en est dans ce truc. Alors je sais pas ce que ça fait si on a un peu plus sur les motos. Faut dire que la jauge n'est pas très 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 précise. Donc, je me méfie. On va déjà vérifier. Puis celle-là, elle n'est pas pratique. Alors celle de ma femme, elle est grise, donc on voit un peu. Alors c'est vrai que celle-là, elle n'est pas très pratique pour voir. Bon, après, tac.
Voilà, après c'est pareil, on est censé mettre la moto droite. Hein. On va la ramener vers nous. Bon, je sais pas si elle est tout à fait droite. Mais... Oh bah écoute, on est bien. Je ne vais pas en rajouter, je vais la laisser comme ça, elle est très bien. Voilà. Hop. Ça sera bien. Du coup, ça, je vais le reverser dans l'huile, hein, on ne va pas le gâcher. Et voilà les amis, donc bah, je vais faire une coupure, comme tout à l'heure, je vais gonfler les pneus. J'ai été demander à ma femme qu'elle regarde la pression des pneus sur Internet. Du coup, elle m'a trouvé ça, je vais vous dire ça. Comme ça, vous me direz si c'est bon. Du coup, je ne devais pas être trop mal. Donc, elle a regardé. Et apparemment, que ce soit le 10, le 12, le 14 ou le 17, ils disent entre une barre 3 et une barre 9. Et ils conseillent pour les amateurs, donc voilà, une moyenne de une barre 6, quels que soient les pneus. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais mettre une barre 4, je pense, devant et derrière. Une barre 4 devant derrière. Ça évitera que je rebondisse de trop ou quoi que ce soit. Voilà. Donc les amis, je fais ça et je vous reprends après. A tout de suite. Bon les amis, j'ai fini avec la moto là aussi. Donc celle-là, bah, j'ai fait la vidange comme vous avez pu le voir. J'ai gonflé les pneus et puis j'ai remis de l'essence. Alors vous allez me dire le graissage des chaînes. Ouais c'est pareil, je vais en mettre un petit peu sur la chaîne là. Et puis je vais essayer de la démarrer, voir ce que ça donne. Alors... On va mettre un peu de graisse chaîne. Je ne l'ai pas fait sur l'autre, il faudra que je le fasse. Ouais, d'accord, il n'y en a plus. Enfin, il y en a encore. Hop. J'en mets juste un peu pour essayer les amis. Alors me dites pas, ça fait comme un porc, je sais. Il faudra que je fasse ça comme il faut. On a un peu de bon pignon là. Le problème c'est que j'ai pas envie d'en avoir plein sur moi. Les cordes de vie, c'est chiant. C'est pas mal, on va laisser comme ça. Et puis de toute manière, j'en ferai ça hors caméra, j'en remettrai de la graisse comme il faut. Je sais pas si vous m'entendez bien, je vous disais que j'en remettrai de la graisse comme il faut hors caméra. On va essayer de la démarrer et puis je vais aller la faire tourner 2 secondes aussi. Donc on va voir ce que ça donne au démarrage. Logiquement, celle-là, elle démarre bien. Donc on va aller mettre tour d'essence. Hop. Allez, hop, c'est parti. Forcément, je suis plus à l'aise sur celle-là, parce que l'autre, bon, elle n'est pas à ma taille. Celle-là, c'est déjà mieux. Vous voyez le clic, il bloque. Puis en plus, avec ce calepin, là, je m'énerve.